bien placé. Et là, ils vont me la faire à l'envers, là. Reste derrière, connard! Madame, il y a un trait là-bas. Ah, je qu'on en a discuté hier, hein, si je ne me trompe pas. Il nous l'a donné. Attends. Hop. Bah ouais, ouais. Ah bien. Tout ça pour pas être derrière moi. Il... D'accord, ok. Non, non, non.
fait de vivre. Elle est toujours. Et elle remet son premier quartier. Eux, ces journalistes, qui ne sont plus d'accord avec la ligne, hein. On a l'impression qu'ils étaient enchaînés à quelque chose. Comme s'ils étaient, pas tous, hein, évidemment, ça peut être 10 journalistes sur 500, je sais pas combien il y en a, hein. Ça peut être 40, 50, je sais pas le nombre. Hein. Mais enfin, ça a l'air d'être quand même assez flagrant. Bah déjà, ils ont envie de prendre du recul et de... Au fur et à mesure que bah, la 5D va s'installer, une fois qu'elle sera bien installée, bah... Bon, on va aller voir les énergies qui vont accompagner. Je ne sais pas ce qui serait passé. En revanche, ce que je crois très important, c'est que pour moi, la date la plus importante, c'est le 8 novembre. Les élections du mi-terme, c'est à mi-mandat américain. Pourquoi? Parce que si les Républicains reprennent la Chambre des représentants et le Sénat, la guerre s'arrête en deux mois. S'ils ne reprennent pas, tout est possible, y compris le pire. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Et justement, la transition est toute trouvée pour le premier débat, tout de suite, sur Bistro Liberté. Vous trouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. Terredefrance.fr. L'Union européenne est-elle au bord de l'implosion ou au sens divergence politique?